Donc moi j'habite dans le Var, à Puget-sur-Argens, et du coup pour venir sur le centre de travail qui est le complexe de Sophia Antipolis, je fais 100 km aller-retour et je suis motard, donc je l'ai fait quasiment toute l'année. En étant motard, du coup j'en avais marre d'avoir le blouson à trimballer sur le bras ou sur l'épaule, enfin comme les trois quarts des motards. Donc l'idée m'est venue de là, inventer un fameux porte-blouson, compact et facile à installer. Le concept en fait tient dans une pochette qui fait 310 grammes, que l'on déploie et que l'on pose à plat sur la selle ou sur une table. Et là je dépose mon blouson dessus et je clipse et ensuite sur le dos. Donc j'ai déposé un brevet, donc je suis propriétaire du brevet. J'ai également participé au concours Lipine donc 2022 qui s'est déroulé du 28 avril au 10 mai 2022. J'ai eu médaille d'argent au concours Lipine et plus le premier prix de préfecture de police. Voilà, qui m'a fait bien plaisir. Donc, comment ça se passe? Là ici, j'ouvre comme le kawaii en fait. Là, je sors l'article, tout simplement. Là, je le retourne. Et là, mon article est prêt. Je le pose, donc soit sur une table, comme ici présent, ou sinon sur la selle de la moto, ou sur un banc. Ensuite, je prends mon vêtement, ouais, comme ceci. Donc type blouson de motard qui sont lourds et encombrants. Mais après, c'est n'importe quel vêtement. Je le mets sur lui-même. Je le pose à plat. Ici, j'ai un repère pour le bas du vêtement. Pour un repère facile. Ensuite, on marche avec un code couleur. Vous voyez. Donc on est sur gris avec gris. Et là, on est sur l'autre gris avec l'autre gris. Pareil, on ne peut pas se tromper. Très simple à utiliser. Et là, je fais blanc avec blanc. Et l'autre blanc avec l'autre blanc. Et là, je fais mes réglages si c'est nécessaire, et ma structure, elle est prête. C'est-à-dire qu'en moins de 2 minutes, je peux tout simplement maintenant mettre mon blouson version sac à dos et partir tranquillement. Je remercie mon entourage et également les jeunes, parce que pour certains sont au courant de mon aventure, donc du fameux porte-blouson, me posent des questions, comment ça s'est passé, concours Lipine, tout ça, donc c'est génial.